Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, avec Jacqueline, donc ma Royal Enfield Interceptor, on part en balade avec quelques copains. Au départ, donc de Soissons, hein, vous reconnaissez pour ceux qui sont du coin. Salut. La place de la République, hein, tout simplement, si je me bourre pas. Hein. Ah non, c'est le. Oui, c'est la République. Et on va direction Laon, tout simplement, à la cité de Laon. Hein. Par les petites routes sympathiques. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prêter la GoPro aux participants, aux copains, tout simplement. Et on a également Karine qui s'est acheté son petit jouet, elle l'appelle son bâton. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un stabilisateur simplement hein, pour GoPro. Et donc elle tient ça tout simplement. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo. On va mettre un peu de musique. Elle sera pas trop longue celle-ci, promis celle-ci. Je vais essayer de faire une petite vidéo de 5-10 minutes maximum. Voilà, voilà. Si tu es nouveau, ben, je t'invite à t'abonner. Tu me mets le petit pouce. Et puis bien sûr, un petit commentaire. Hein. C'est le plus important. Voilà, voilà. Je te fais pas beaucoup plus de blabla. Parce que comme je viens de te le dire, ça sera une petite vidéo best-of d'images. Et puis avec de la musique. Voilà, voilà. Allez, je te dis bonne vidéo. Tu te mets un bon coca, une bonne bière bien fraîche ou un Diabolo grenadine, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Tension les trous. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Tu qui fait coucou, on voit pas avec le carreau noir. Et ça c'est les copains qui aiment un peu plus rouler, c'est leur beau petit viral, ils vont s'amuser, ils vont nous retrouver, enfin on les retrouvera plutôt en haut. Et moi je reste avec les anciens, donc je fais partie. C'est vrai que j'aurais pu leur mettre la caméra, mais en même temps j'en ai pas 15, ne vous inquiétez pas. On croirait que je déhanche beaucoup, mais en fin de compte, non, j'exagère beaucoup. Là, je vous mets donc la caméra donc au torse du coach, hein, je vous en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Et je vais essayer de tourner comme ça toute la balade pour que vous ayez un petit peu tout le monde et puis que chaque participant également ait une petite prise de vue de sa bécane. Et ce qu'il y a de bien souvent, c'est que je sors une petite photo de ces images. Allez, maintenant on met la caméra sur la bécane de Vincent. Alors je sais plus c'est quoi sa bécane, mais je te le noterai, t'inquiète pas. Gueulez, hein, gueulez. Gueulez, hein. Gueulez, allez, allez, allez. Allez! Ah, les copains, ils font plaisir, ça me fait plaisir.
En plus, je pense que on a capté le petit wheeling, le beau petit wheeling du coach, avec la caméra posée sur le torse de Vincent. Logiquement, l'image sera là. J'espère. On croise les doigts. Alors actuellement, vous avez donc la caméra, la GoPro 11, hein, toujours donc sur le torse de Franck. J'espère que je vais arriver à avoir le temps de fumer tout le monde, parce qu'à chaque fois, je m'arrête sur le bord de la route. Donc on bloque les bagnoles derrière, mais ça va, je fais assez vite. Voilà. Donc là, nous sommes à Pinon, en fin de compte. Pinon, c'est un petit village qui a entre Soissons et Lens, on va dire, hein, tout simplement. Hein. Tout autour, à droite. Super Karine, Karine, yes, avec ton bâton magique. Alors on est gâté aujourd'hui. Hein. Alors je fais un petit peu de discours, même si la caméra elle est là-bas sur Franck, je crois, ouais ça. On a un beau soleil, c'est vrai que le temps est enfin revenu dans notre département, dans l'Aisne. Hein. Nous, on est dans le nord de la France. On est plus au nord de la France qu'à Marseille, mais on n'est pas dans le nord-nord, mais on est quand même. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu de soleil. On a eu beaucoup de flotte, je pense que vous aussi, les abonnés. Hein. Et ça nous fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Voilà, voilà. On attend les anciens. J'ai mon père qui est derrière, et puis ainsi que Jack. Voilà, les copains qui t'attendent là-bas, c'est cool. Je fais après tout à l'heure. Yeah, ça va être cool. Allez, maintenant la caméra est installée donc au torse de Rudy, hein, qui est sur une sportive. Donc je pense que vous allez voir beaucoup plus sa bulle que ce qu'il y a devant. Mais je fais pas distinction de la moto. Le principal, c'est qu'il y a une prise de vue. Et puis on sera sûrement étonné d'avoir quand même pas mal de choses à regarder sur cette prise de vue. Allez, allez. Hop, petit Rudy, vas-y. Voilà. Ça a marché, tu te rappelles pas? Je roule pas assez vite. Ouais, c'est pas grave, je m'en fiche que tu roules pas vite. Moi aussi je roule pas vite. Attends, bouge pas, parce que je te mets bien. Hop. Voilà. Attends. Voilà. Allez, je vais lui montrer. Mais bon. Ça va, tu arrives? La caméra s'éteinte? Elle a fait bip bip, c'est qu'il n'y a plus de batterie, c'est pas grave, on la verra tout à l'heure, tu peux la ranger. Ça va pour vous, hein? Je les envoie rigoler devant, et puis moi j'attends avec vous. Vous avez de la chance les mecs, que j'ai pas le temps, hein, sinon... Allez, maintenant j'ai mis la caméra donc sur la très très grosse Harley Davidson de Jack. Et il nous restera derrière encore à faire papa avec son Yamaha. Et donc Bouboule sur le canam, et puis on aura fait le tour, c'est cool. Ah si, puis je suis Fireman. Fireman, je le ferai à la fin parce que vous l'avez déjà vu. Mais normalement, j'aurai assez de batterie.
Allez-y, amusez-vous, allez-y. Alors je vais commenter, je vais faire pas la narration parce que je suis en direct, bien sûr. Je fais toujours mes blablas sont toujours en direct. Alors là, la caméra est donc sur le Jack, sa grosse Harley. Impeccable. On a de la chance, hein. Il y a un super beau temps, un beau soleil. Il fait pas trop chaud, c'est bien. On doit avoir, je vais pas dire de conneries, peut-être entre. Je vais pas dire entre 10 et 25 parce que c'est trop facile. On doit avoir un bon 15, 16, 17 degrés. Donc on est bien. On est bien. Il y a un petit peu de vent, mais ça va. On ne peut pas se plaindre. Allez, maintenant je te mets la caméra sur le torse de papa, sur son Yamaha. Je suis content, j'aurais fait plus que tout le tour, il reste plus qu'à mettre sur Fireman. Et puis après je la récupérerai pour faire cette petite finale de vidéo. En espérant qu'il t'aura fait plaisir, t'aura fait passer un bon petit moment. Surtout si toi, dans ta région, il flotte. Eh ben on a pensé fort fort à toi. Là on arrive à Laon, voilà, c'est on arrive à Laon. C'est une grande ville quand même, hein. Enfin une grande ville. Comparé à Paris, c'est une petite ville. Hein. Mais voilà, Laon. Je vous ferai des petites images tout à l'heure. Alors on va pas dans la ville haute, hein. on reste dans le bas de la ville. Hein. C'est une ancienne ville, on va dire château, etc. Quoi, hein. Alors moi j'y connais pas grand chose en histoire, mais à la limite si toi t'es calé là-dessus, bah, n'hésite pas à mettre en commentaire tes connaissances, hein, concernant la ville de Laon. Voilà. C'est beau, hein? Ouais. Les canards, les canards. Donc nous voilà arrivés à destination pour ce petit arrêt qu'on va se faire un petit goûter entre nous avec les copains. C'était sympa, on a un beau temps et puis on a voilà. Ouais. Une belle surface, une belle étendue d'eau. Un temps de canard. Il s'agit donc de l'étang de la Gaule lanoise. Alors la Gaule, la pêche, hein, pas la Gaule. Hein. Super beau, super beau. On va se poser là, on va se mettre bien. Une petite demi-heure, une heure, hein, histoire de profiter du soleil. Et puis on se retrouve après, au guidon des bécanes. Donc nous sommes arrivés à ce petit plan d'eau sympa, donc sur Laon, agréable, super sympa, super posé, pas de bruit, des petits canards, etc. On est vraiment bien. Là t'as le son de la GoPro, hein, de la GoPro 11 tout simplement. Et puis on va remonter sur les bécanes après, alors on va faire un peu de photos avant. Je vais faire un petit powerboard photo de nous aujourd'hui. Après on repart et c'est le coach et puis Vincent qui vont prendre le relais. J'avais fait un petit plan GPS, mais ils ont des petites routes sympas. Donc ça sera la belle découverte. Et ben juste après ce petit flash, on se retrouve sur la bécane. Et à tout de suite, yeah. Bonjour.
Allez, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras passé un bon moment avec nous. Alors, on a essayé de faire des tests de GoPro hein, sur les copains. On a fait ça assez rapidement, donc le résultat n'est pas top. Mais on fera mieux la prochaine fois. Je tiens à remercier Karine avec son bâton magique. Hein, donc, sa première sortie avec cet stabilisateur hein, pour les GoPro pas trop cher. Là, c'était une GoPro 3. Elle a payé ça un peu plus de 100 euros. Je vous mets le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à la prochaine. Surtout, vous roulez safe. Je dis merci à tous les participants. Et puis, je vous invite aussi à mettre un petit commentaire. Allez, c'était Julien avec Jacqueline et la bande de copains. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut !